sometimes I really hate this town. They build it up to tear you down. It's petty like a border guard, tearing out the backseat of your car. Clouds are spaceships in the sky. They'll take you to the other side. I wear my la marde, la pisse. Oh, ok, excusez-moi. On a pas de micro. Ah non, ben voilà. Décidérez. On a une émission cette semaine, je crois. Ben, ah? En tout cas, on verra. Je sais pas. On verra bien. On est-tu à chaque? Je sais pas, on l'apprendra en temps et lieu. On apprendra où est-ce qu'on est en temps et lieu. Très content de voir. Écoute, je crois qu'on s'enligne vers la meilleure émission à date, honnêtement. Il y a vraiment, là, j'ai un très très beau panel autour de moi. Je suis très fier. Écoute, d'abord, Mathieu Niquette et son sourire radieux. Comment oui! Tu vas? Oh oui, il est de bonne humeur. Je suis de bonne humeur parce que j'ai arrêté de me laver. Bon. Ensuite de ça, Étienne Forêt. Hey, salut. Comment va ton oncle? Ah, mon oncle, écoute, il va tellement bien. Il a arrêté de boire. Hey, félicitations. Ouais. Ouais. On peut arrêter de boire. Ah, tu vois. C'est quoi l'intérêt de... C'est une thérapie cette semaine. Ensuite de ça, on a Sophie. Comment elle va? C'est moi, ça va bien. Cool. Ensuite de ça, on a Nicolas. Hey! Hey, Nicolas, c'est un bon choix, ça. Tu sais qu'il y a un scientifique qui a arrêté de se laver depuis 12 ans. Il se met des genres de bactéries qu'il lave à chaque jour. Oh mon Dieu, Seigneur. Ah, ben, je pourrais être en contact avec lui. Si tu peux faire ça, Nicolas, puis arrêter de nérisser, puis juste comme, rester chez vous. Mais j'ai des bonnes nouvelles là-dessus tout à l'heure. Bon, écoute, non. Dom? Non, pas Dom. On a... qui est là? Ah oui, c'est ce gars-là qui pue, là. En tout cas, ça pue. Ah, Eric! Éric? Éric! Éric! Hey, tabarouette, chanfort, je suis désolé, là, c'est mes pieds qui sentent, là, ça sent. Et calvaire que ça sent! Ben, il sent plus fort que Mathieu. Ah, ben oui. Ouais. Ah, c'est ça, on a un Français. Hey, pistache Montréal, tout le monde! Ça aussi, ça sent. Je suis très content d'être ici. Drôle d'odeur aujourd'hui. Alors, Julien, bon, je voulais te remercier pour cette invitation. Je me sens choyé. C'est une invitation que je chéris et je suis persuadé que la prochaine heure sera fantastique. Oui. J'ai parlé avec mon ami Nicolas juste avant l'émission. C'est un chic type, hein. Oui. Ouais. Alors du coup, c'est nickel. Ça prend un Français pour apprécier Nicolas. Ouais, Nicolas, je l'ai tout de suite senti. Nicolas, c'est comme un millier de Parisiens. Alors je me sens comme à la maison. Ah, je suis désolé, ça sent fort. Tabarnak. Tabarnak. Et on a Annabelle. Salut. C'est comment qu'elle va? Ça va pas pire. C'est pas ton nom de famille, parce qu'il dit pas un nom de famille, c'est Tinder. Mais... Lecteur. Ok, bon, d'accord. Comment qu'elle va? Ça va pas pire. Un peu angoissé, mais bon, ça va passer, là. Je vais y aller avec vous autres. L'angoisse du 21e siècle, ah, voilà. L'angoisse de tout. Là, Julien, t'as trouvé une fille sur Tinder. Oui. Tu l'as amenée ici. Oui. Puis là, elle a une chronique décrite devant elle, c'est malade. C'est fou. Elle a des feuilles, tout. Ouais, c'est fou. C'est vrai. Ouais, essentiellement, je suis Tinder pour trouver du monde pour venir participer à mon show de radio. C'est le but premier de ton intervention Tinder, ouais. Non, bon, on veut pas savoir ce qu'on fait hier soir. En tout cas, c'était le mien. En tout cas, ça a marché. Mais oui, bravo. Là, t'as une chronique. Si, c'est une question de qu'on veut pas y une chronique. Mais là, qu'est-ce que tu fais ici? T'as trois enfants. Bon. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que là, justement, mon dernier va avoir 18 ans. Là. Oh. Il passe ses journées à jouer à League of Legends, tu me disais. Ben ouais, il passe ses journées à jouer à ça. Puis là, est-ce qu'il écoute, tout ce qu'il veut de moi, c'est. Est-ce qu'il connaît Stromae? Ah, il connaît tout ça, oui. C'est super, Stromae. Pour les jeunes, un beau message, une belle passion, quoi. Ouais, surtout qu'il n'y a plus de père, donc, ouais. Oui, ouais. Voilà. Ah, ben Julien, c'est un bon père. Comment se porte le père de tes enfants?
ce qui est mort, là, ou ben... Bon, OK, on va changer de sujet. Martin! Martin! Oui, oui. C'est Julien, je... Hey, t'aurais pas du déo, hein? Pour les pieds? Ouais. Vraiment okay, pas la bonne okay, personne okay, qui demande okay, ça. Pas un monde qui se lave ici. Ça va être long une heure. Oui, bon, d'abord... OK, fait que ton personnage, c'est qu'il pue des pieds. Vraiment un personnage! Effectivement, ça va être long une heure. Bon, voilà, alors, d'abord, grosse nouvelle brève. La semaine passée, on a perdu l'émission. Yeah! Fait que c'est ça, peut-être revenir un peu là-dessus. On a fait un show la semaine passée. Mm-hmm. Il y avait, c'était malade. C'était le meilleur show ever. Il y avait, j'y étais, hein. Oui, Pistache Morel était là. C'était complètement, complètement pistache. C'est rendu un habitué. Qu'est-ce qu'on veut dire par complètement pistache, pistache? Bon, alors, la pistache, c'est le côté très pop. La pistache, elle se cache sous une écaille. Et voilà que si on la fait danser un peu, si on lui met un petit peu de pression, eh bien, elle nous révèle une délicieuse gâterie, voilà. Et le côté Montréal, bon, c'est le côté dansant, c'est la nuit, c'est nocturne. Et je me disais, bon, on va sortir la tête du sable, je sais que la France n'a pas très bonne réputation. Oh bon. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas m'exiler comme outre-Atlantique, comme tous les autres Français, pour venir un peu puiser à Montréal. Ouais. Parce que Montréal, vous avez bonne réputation. Et ça, il faut le célébrer. Alors Sophie, il faut célébrer Montréal. D'accord. Par la danse. Ok, maintenant, j'aime pas vraiment danser. Ben, ça dépend, en tout cas. Et par le tatouage, je vois que vous faites... Ouais, ça c'est très montréalais. Ah, Sophie, ça sent-tu trop fort, là? Là, vous êtes tellement occupé que ça fait deux semaines de suite que vous venez ici. Oui, ouais. Bah, je suis en promo, hein. Ça, la promo, ouais, c'est complètement un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la crème glacée à la pistache? Parce que ça goûte pas, la pistache. Non, ouais. Bon, alors, j'en parlais justement avec M. Connaissez Anne Mathieu Nicolas, Chéline, bien sûr, bien j'étais sûr, avec Mathieu. Oui, il y a un accent français maintenant. Bon, alors on parlait de cette crème glacée à la pistache qui est, à mon avis, la plus grande invention du dernier millénaire, quoi. C'est l'agencement, c'est sucré, hein. C'est, bon, ça, c'est Internet. Bon, hein, ouais. On aime le sucre, voilà. Et vous avez le sucre ici? Ah, disons, on a l'impression de bébite à sucre. Vous avez le sucre. On a même du sucre une qui ne fait pas grossir, c'est magnifique. Oh là là, oh alors, non, je n'y crois pas. Là, on avait... ouais, qu'est-ce que je disais? Fait qu'on avait un show la semaine passée, donc, avec notamment Pistache Montréal. On avait reçu aussi Gab Jonca et sa douce Émilie. Oh, c'était bien le fun. Mais c'était le fun, pour vrai. C'était vraiment une très belle émission. Émilie, c'est des oui-dire, là. On n'a aucune preuve que c'est vraiment... Bon, Nicolas, c'est qui est fatigant, Nicolas. Ça existe dans nos cœurs, OK? Ce qu'on fait, une fois de temps en temps, on vient pas en studio puis on s'imagine l'émission de rêve dans nos têtes. Moi, c'est ce que je pensais. On a demandé à Émilie si des fois, elle faisait du cosplay pendant les actes, pendant l'intimité. Ouais, elle a répondu. Elle nous a dit quel costume qu'elle mettait. Mm-hmm. Et vous le saurez jamais. Ouais. Une super belle émission. Puis elle n'existe plus. Parce que c'est comme ça à choc. Fait que j'étais pas sûr que j'avais le goût de la faire cette semaine. Puis là, finalement, on a décidé que oui, pour les gens qui nous écoutent. Oui, voilà, c'est pour vous. On vous aime. Ouais, parce que fait que vous êtes bien mieux de l'apprécier. Mais Julien, je suis juste te dire, je m'excuse un peu de t'avoir un peu brassé. Oh, c'est correct. Mais non, il faut qu'on se brasse un peu des faut fois. Se mais... Hey, Martin, oui, Martin, bon. Peux-tu dire de quoi? Oui, Julien, peux-tu dire de... Ne jamais porter des bottes de laine mouillées dans des vieilles bottes. Jamais. Pourquoi je fais une chose pareille? Surtout, c'est humide aujourd'hui dehors, donc c'est très. Hey, il y a scientifique, là. Je te parle pas de ton avis, toi. Voilà, alors pour vous, on va faire une émission cette semaine et on va commencer avec Étienne. Qu'est-ce que tu en penses, Étienne? Ça va être d'or. Ok, je double-clique sur ton thème. Et ça s'en vient. Yep. Ça a pas de du bon sens comme odeur. Ça part-tu? Julien? Oui. C'est parti. Tu n'as pas d'écouteur. Ah, t'as pas d'écouteur? Ok, ouais. Allô? C'est juste un grand silence. Pardon? Bon, alors, mesdames, messieurs, la semaine passée, j'en avais parlé un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de me rendre bien loin, donc c'est parfait. Je vais pouvoir commencer ça aujourd'hui. Ça n'existe pas la semaine passée. Ça, la semaine passée n'existe plus. Donc, ce que j'ai fait, moi, la semaine passée, pour niaiser, j'ai fait un vidéo joke épais sur Facebook où je disais que j'avais un sac de munchies qu'un de mes amis m'avait amené puis que je trouvais que c'était ben trop long manger ça parce que j'étais obligé tout de le trier avant puis qu'on perdait énormément de temps à faire ça. Puis là, j'avais trié les munchies dans quatre petits plats puis tout ça. Puis je me trouvais ben con puis je me disais, je vais avoir 12 likes, mes amis vont me trouver épais puis ça va être drôle. Et là, finalement, je suis rendu à 14 000 vues de cette vidéo-là. Les gens se le partagent puis qu'est-ce qui est drôle, ce que j'ai découvert, c'est que les gens, ils croient que je suis sérieux puis que je trie vraiment mes munchies avant de les manger. Il y a des gens qui connaissent pas Étienne Forêt. Il y a beaucoup de gens. Okay. Puis là, il m'insulte sur mon Facebook en me disant que je t'épais de faire ça puis que ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai pris des screenshots des meilleurs commentaires que j'ai reçus en dessous de cette vidéo-là. Excuse-moi, Étienne, juste avant de commencer, j'ai vu ton vidéo puis je voyais que c'était pas égal
Non, c'est pas égal parce que tu as fait des statistiques, tu sais, de la proportion. Non, parce que malheureusement le sac était entamé quand j'ai commencé à le trier. Mon ami en avait mangé la veille, fait que là c'est pas des bonnes statistiques, tu sais. Ça... Mais on peut voir les préférences. On peut voir clairement que les ringolos ont beaucoup plus pogné que les pretzels. Mais c'est qui le dit, ami? Ah, il veut rester dans l'anonymat. Puis de toute façon, j'y parle plus vu que je suis très fâché contre lui. Hey, j'ai une idée. Il doit avoir du savon dans la salle de bain. Je vais essayer ça. Hey, ouais. Reviens, les amis. Bonne chance. Oui. C'est vrai qu'il doit en avoir. Comment il s'appelle déjà, Eric? Eric, avec un coche, je pense. Au moins, ça va permettre de récupérer les écouteurs. Ouais. C'est déjà ça. Je ne redonne-y plus après. Donc, il y a Roxane Saint-Onge qui m'a écrit. C'est la première à ne pas avoir pris tout ça au sérieux. Puis elle m'a écrit... À sa défense... Tu sais, je tiens à dire que la première personne n'a pas tous les autres commentaires avant pour, exact. Pour elle, se rendre elle commence, compte que, tu sais. Exactement. Puis Roxane, là, je voudrais d'ailleurs, j'en profite pour, pendant que tu parles comme ça, là, puis que j'entends ta belle voix, remercier Mathieu Niquette chaleureusement pour toute son aide à répondre à ces gens-là sur mon thread. Etienne, c'est un remerciement que je te renvoie parce que j'ai eu beaucoup de fun. On s'est bien amusé. Donc, Roxane Saint-Onge. I get a room. Ouais, tout après. Il doit avoir du savon. Je le crosse avec mes pieds au-dessus de la table. Ah non, pas tes pieds sales. Fait que Roxane nous dit, ben voyons donc, j'espère que c'est une joke. Puis là, ben j'espère, il n'y a pas d'apostrophe, puis ça finit par P-A-I-R-E. Donc déjà, ça, c'est drôle. Oh là là. Alors bon, je ne veux pas me faire le défenseur de la langue française, mais il faut faire attention, hein, les amis. Bienvenue au Québec. Parce que l'héritage que nous vous avons laissé, il s'effrite, et on le voit. Oui, ça, c'est très cool. Okay, c'est vous autres que vous avez laissé ça. On ressent votre peine, on ressent, j'entends vos cris. Ben, vous autres, avec tous vos anglicismes. Hein? Ouais, ça s'effrite. Non, ça marche pas, ça a plus de rôde, si je vous dis. Au moins, je m'en fais... On y arrivera pas. Donc, Roxane Saint-Onge continue et dit « Haha, oui, il y a tellement plus important dans la vie que démêler des calices de chip mix simplement parce que t'aimes pas qu'elles soient ensemble, mange sans spa, puis achète-toi tes sortes différentes. » Fait que là, moi, je lui dis « Je les ai pas achetées. Écoute comme il faut, c'est un ami qui m'a apporté ça et a laissé le reste chez moi. Jamais je n'achèterai un truc pareil. » Puis ça, c'était le commentaire que j'ai reçu le plus souvent. « Si t'aimes pas ça, achète-en pas. » Alors que je dis clairement que je les ai pas achetées. Donc, les gens, ils écoutent pas. Ensuite, Roxane continue. « Justement, c'est encore pire, c'est pas toi qui les as payés. Ça sert à quoi de chialer? T'avais qu'à pas les manger, puis aller t'en chercher d'autres. Hey, 10 minutes pour démêler des chips, puis 1 minute 9 secondes pour une vidéo sans intérêt. Me semble que tu manques de temps. » Fait que là, ben, moi, je réponds... Cette personne-là a pris 10 minutes pour... Ouais, exact, c'est ça. Oui, ironiquement, oui, c'est toujours ça. Hein? Oui. Donc, moi, je réponds, je ne sais pas pour toi... Wow, t'as du temps à perdre. Mais moi, j'ai été élevé à ne pas gaspiller de nourriture quand il y a du monde qui meurt de faim un peu partout. Je ne les aurais pas achetés. Voilà, je fais un peu exprès pour que ça continue. Je les aurais pas achetés, mais là, je les ai, alors je vais les manger, mais certainement pas de façon désorganisée comme si j'étais un animal qui bouffe de la moulée. Donc ça, vous retenez cette information-là, ça va devenir important plus tard. Donc ensuite, David Lassalle qui dit « Tu dois pas manger ça, toi, du pâté chinois, hein? Ou pire, un hamburger, haha! » Puis là, ben, ironiquement, lui, il me fait un commentaire sérieux en reprenant la joke que Guillaume Sigouin avait faite un petit peu plus haut. Exactement la même joke de pâté chinois. Donc, Roxane continue. « Les manger séparés ou les manger ensemble, ça change pas grand-chose, ils se touchent de toute façon, ridicule, ridicule. TK, on a tous nos points de vue, bonne journée. » Donc voilà. En tout cas, on a tous nos points de vue, bonne journée. Ouais, c'est ridicule, mais tout est relatif au bout du compte. Tout le monde a droit à son opinion. C'est ça. Ils n'ont pas eu mon premier cours de philo, eux autres. Clairement, ils n'ont pas eu beaucoup faut de cours. Se placent, ces jeunes-là. Oh, j'aimerais bien prendre ces classes, Nicolas. On s'en parle, mais j'accepte. Oui, on parle libre. Quand on enseigne la philo au cégep, où ça, la cégep? On a lycée. Un lycée, oui. Voilà. Alors, il y a la 5e, la 6e, et ensuite, hop. Le lycée 2. Ah oui, vous avez l'épreuve au bac, l'épreuve de philo au bac. Et voilà, l'épreuve, on fait le concours. Vous avez étudié en quoi, vous? Moi, je n'ai pas étudié. En pistache? À l'école de la vie. À l'école de l'épreuve. Voilà, l'école des noix. Ah, moi, j'aimerais ça aller à l'école, hein, mais avec... T'imagines ça dans une classe, enfermé coin pendant 3 heures, avec ta barouette, ça fiolerait là? Ça doit pas être évident. Non, c'est sûr. Oui. Ensuite de ça, ben, y a Anthony Bilodeau qui m'écrit tout simplement « Hey, le cave dégèle ». Puis là, ben, j'ai remarqué sur son profil que lui, sa job qu'il a écrit sur son profil Facebook, c'est d'être skater et qu'il travaille chez Skatepark. Oh. Fait que donc, j'ai dit, ça fait dire de dégeler par un skater de chez Skatepark. Je crois que c'est la définition de l'ironie. Puis là, ben, tout ce qu'il m'a répondu, c'est pauvre chrétien. Alors, pauvre, quoi? Ouais. Pauvre chrétien. C'est comme ça. Pourtant, je sais que tu t'es même fait débaptiser. Effectivement, c'est vrai. Ouais, t'es vraiment pas un chrétien. Je le suis plus, en tout cas, c'est clair. Ouais. Ensuite, il y a Patrick Mondou qui me dit « Si boire, si t'aimes pas ça, achète-en pas, puis mange-en pas. S'il y en a ces tablettes au petit magasin-là, c'est que tout le monde aime ça. » Donc ça, c'est un bon argument. Bon point, oui. S'il y en a, c'est parce que le monde aime ça. Toi, ça doit pas être drôle quand tu manges un sandwich, une bouchée de pain, une de salade, une de viande, une cuillère de mayo, une de moutarde, une de fromage, sel, poivre, Chris, pas drôle. Oh là là.
Fait que moi, j'ai juste écrit « Je suis content d'avoir ton support ». Puis là, il m'a répondu « Ben voyons donc, dude ». Après ça, j'ai dit « Pour vrai, c'est apprécié ». Là, il a arrêté de parler. Alors, Étienne, si je peux me permettre, je vois que vous y jouez un personnage dans toute cette histoire. Oui, effectivement. Je veux vous faire une mise en garde. Hein. Vous connaissez Gainsbourg? Vous connaissez Gainsbourg? Ben oui. Ouais, on l'a eu. Alors, il s'est un peu perdu dans son personnage de Gainsbar. C'est vrai. Et j'ai très peur que le même sort vous arrive, mon cher Étienne. Qu'est-ce pas, on prend soin de lui. Ouais, ben, moi, je me fie sur Sophie pour me ramener dans le droit chemin si je vais trop loin dans le personnage. Bon, ensuite, il y a Maxime Desforges-Forbes qui nous a écrit, et là, c'est beau de le voir écrit, c'est écrit « T, tu, ortho ou fait exiprète ». Quoi? Donc, E-X-I-P-R-E-T. Ben, venant de lui, hein. Exiprète. Ah, voyons. Voilà. Le langage de la rue. Ouais, fait que là, bon, ben, il y a eu beaucoup de commentaires sur son orthographe approximative, puis voilà. Donc, je savais pas que ortho, c'était encore une insulte ouais, chez les hommes d'aujourd'hui. Ça, ça marche encore. C'est toujours un bon commentaire. Un peu retardé aussi. Bon, la semelle de ma botte est toute spongieuse. Ensuite, il y a Mathieu Niquette qui nous fait remarquer que les gens qui pognent pas le niveau de ma jokes ont encore des photos de char ou de leurs pipes en photo de profil. C'est pour ça. C'est une excellente observation. À peu près, pour vrai, à peu près. Ça marche. Ouais. Genre 90% des gens qui comprennent pas ont une photo de couverture qui est un char ou leur pipe. C'est vrai, là. C'est pas... Intéressant. Il y a ce quoi, là. Faut arrêter de faire semblant que quelqu'un qui a une orthographe de marde puis quelqu'un qui a des photos de char sur son profil, ça n'a pas rapport avec le fait que c'est un cave. Non, en tout cas. Petit raison à vos propres conclusions. Ensuite, Louis-Philippe Lemieux qui reprend la voix de la raison de tous, qui me dit « Hein, achète-le pas le sac si t'en veux pas, lol. » Donc moi, j'y réponds en majuscule « Je l'ai pas acheté, c'est la première chose que je dis dans la vidéo, arrêtez de me dire ça. » Fait que là, il me répond « Oui, je le sais. » OK. Fait que là, je dis « Bon, ben alors, pourquoi tu me dis de pas l'acheter si je le veux pas? » Essayez d'avoir un peu de sens quand vous commentez, s'il vous plaît. Et là, ensuite, il y a Marc Scrémin, un personnage important. Vous allez voir pourquoi après, qui me dit, Louis, t'as bien raison, mais le gars a rien d'autre à faire que séparer des sortes de chips, bonhomme sourire avec des larmes aux yeux. Fait que là, Louis-Philippe, c'est exactement ce que je pensais, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps d'expliquer, lol. Donc là, c'est de plus en plus cohérent. Alors, moi, je dis, j'ai plein d'autres choses à faire, justement. C'est pour ça que je suis fâché. Fritoler nous fait perdre notre temps. Donc, Louis-Philippe dit, « Ouais, tu dois en avoir des affaires à faire. » C'est écrit tout croche, là, je m'excuse, c'est dur à lire. « Tu continues d'envoyer des commentaires. Si tu es pas content, t'as juste à pas en acheter. » On revient encore à ça. « Tu achèteras ce que tu aimes. Je pense qu'on a assez parlé de chip ici. Merci. » Finalement, l'avenir prouvera qu'on en a vraiment pas assez parlé. Donc moi, je dis, je pense que cette conversation est loin d'être terminée. J'arrêterai quand ils arrêteront de nous insulter en nous vendant des chips pour animaux sauvages. Donc voilà. Alors quand je vais raconter ça à mes amis sur Paris, hein, et... ils viendront fou. Ils vont tomber à votre piste. Vous avez ça des party mix en France? Oh non. Non. Oh, je suis sensibilisé, les autres. Bon, parfois, quand je suis avec Philippe Catherine, connaissez Philippe Catherine? Alors, lui, il se fait ses propres party mix. Lui, voilà. C'est le genre. Alors, on ne lui dit pas quoi faire à Philippe. Très chaotique. Non, il les fait frire lui-même et tout. Non. Il achète des sacs. Il achète des sacs et il les mélange. Dans les proportions qu'il veut. Ma belle-mère a fait ça. Oh, non. Elle fait ses propres party mix. Mais quelle personne économise à rien. Barbare. Je sais pas. Hey, pourtant, moi, j'ai pas eu un cheminement qui m'amenait à puer des pieds, hein. Non, c'est arrivé comme ça. Il y a 3 heures, je voulais jamais mettre des bas de laine dans des vieux. Mouillés dans des vieilles bottes. Jamais, Martin. Vous avez étudié en quoi, vous, Eric? Vous avez étudié en quoi? Hein? J'ai étudié en mécanique. Bon, ouais, okay. De le demander. Mm-hmm. Vas-y, tiens. Bon, ensuite, Marc Scrémin, je vous avais dit tantôt qu'il reviendrait, ce gars-là. Marc Scrémin. Lui, intervenu dans... Oui, c'est ça. Ouais. Ça ressemble à quelque chose. Il est intervenu dans le thread de Louis-Philippe. Donc, lui, il dit « Puis je viens de perdre 2 minutes de ma vie à écouter cette connerie. Non, mais j'espère que c'est une joke. Personne n'est assez con pour se frustrer contre un sac de chips lol. » Fait que là, moi, je réponds, t'as perdu 2 minutes, mais c'est pour une bonne cause. Si tout le monde passe le mot, on n'aura plus jamais besoin de perdre 10 minutes pour trier des chips, faut que les choses changent. Fait que là, lui, soudainement, s'est rendu là, qui me dit, là, je te bloque. Meilleure des chances. Bon. La première fois que quelqu'un me bloque, je pleurais. Et tu devrais aller voir à ton bureau de l'assistance sociale pour une job à la place de trier des chips à nos frais. Enfin, ça aussi, c'est une espèce de présomption qui est revenue souvent. Trier des chips que je devais être sur le BS nécessairement, tu sais. Ouais. Fait que, là, je viens de leur présenter les sophismes dans mon cours, puis je pense que je vais prendre ta thread juste pour montrer. Sérieux, ce que je trouve triste quand même, tu sais, c'est, il y a quand même,
De quoi de triste de fait? Ah, ben, c'est un hostie de BS, tu sais, les gens. Aussitôt, qui c'est le... ça, fait que c'est chiant. Parce que les BS font ça, tu sais. Ah oui, ouais. Ils font tous ça. Puis là, ben, justement, Mathieu Niquette répond: les gens les plus dangereux sont les idiots qui se croient plus intelligents que les autres. Ne le bloque pas, Marc, tu as des choses à apprendre ici, mais c'était peine perdue. Trop tard, et il l'avait bloqué, puis il n'est pas revenu sur ta décision. Non. Fait que moi, je lui ai quand même répondu, même s'il m'a bloqué, j'ai répondu un post en dessous pour que ses amis, peut-être, lui disent, parce que là, je peux plus y parler. Fait que j'ai dit, j'ai pas le temps d'avoir un job, il y a tellement de chips à trier. Marc, sache que je ne t'en veux pas de m'avoir bloqué. Beaucoup de gens sont manipulés par les grosses compagnies pour croire que c'est cool de manger des chips toutes mélangées comme des animaux. Peut-être qu'un jour tu verras le bon sens, tu seras le bienvenu ici à ce moment-là. Oh, bonne alors, chance. Vous appliquez qu'il y a complot. Ah oui, c'est clair. Oh. C'est ça que j'ai fini par me rendre compte, c'est que Frito-Lay brainwash les gens pour leur faire croire que c'est cool. Oh. C'est clairement là que ça va. Alors, j'en parle à Sarko, hein. J'ai des contacts privilégiés. Ah, vous êtes ami avec Sarkozy? Avec Sarko, oui. Mais Sarko, il est déjà dans une conspiration satanique avec les Bush. Oh, je sais, mais bon, ça, ouais. C'est ces trucs, hein. On n'est pas une conspiration. Vous voyez, qu'on danse, quand on est sur la peanut, comme vous dites, bon, il n'y a pas de. Bah ouais, quand on danse, il n'y a pas de. Ensuite, Maxime Rowe qui dit: vraiment perdu 1:08 de ma vie à écouter cette vidéo? C'est à quoi je réponds, sans compter les 10 secondes perdues à m'écrire ça. Et ensuite, là, il y a Jessica Julien qui, elle en avait très long à écrire, qui commence par dire: l'art de faire parler de soi. Puis le pire dans ça, c'est que ça marche. Plus rien ne m'étonne. Wow, bravo. Ça avait l'air d'être Murphy Cooper. Wow, bravo. Fait que là, moi, j'écris: je veux surtout qu'on parle des munchies afin que ça disparaisse de nos tablettes. Donc, t'as juste à pas en acheter si t'aimes pas ça au lieu d'imposer tes goûts au reste de la planète. C'est t'imposes pas tes goûts. Ben non, c'est ça, en tout cas. Les gens, ils lisent ce qu'ils veulent. Ben oui, c'est pas une question de goût, c'est une question de vivre dans une société évoluée. On est en 2015, allô? Ça, c'est ma réponse intelligente. Puis là, Jessica, là, est lancée. Là, elle dit: je pense que c'est toi qui as oublié d'évoluer parce que là, on parle d'un sac de chips et t'en fais toute une histoire. Tu me désoles, tu dois avoir une vie seulement plate pour te donner tant de mal sur une telle stupidité. Ah oui, j'avais oublié les bonbons d'Halloween mélangés. Ça aussi, ça doit t'écœurer, lol. Tu sais, ton ami, quand il a acheté son sac, probable qu'il a voulu faire plaisir à tout le monde en ayant un sac mélangé, lol. Et de plus, c'est écrit sur le sac. Ça, on me l'a souvent fait remarquer. Mix. Donc, c'est pas une surprise, lol. À moins que tu aimerais mieux qu'il mette ça dans des beaux petits sacs séparés. Hihi, bonjour la pollution. Pour vrai, si est réellement sérieux, t'as un trouble obsessionnel compulsif à côté, va voir un psy, man. Ça, c'est un conseil de 2015, lol. Surtout que t'as pris le temps de répondre à tout le monde. C'est la première fois que je vois ça sur Facebook, lol. C'est possible qu'il y ait eu un glissement de sens de lol tout à coup. Oui, c'est ouais. Ça. Lol s'est rendu... Là, c'est comme date, en fait. C'est comme dire c'est stop dans un télégramme. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme Les gens disent plus lol, ils disent ah, ha, ha. Mais... Moi, je dis ha. Non, mais c'est quand, tu le sais quand, justement, la plèbe commence à mal l'utiliser, c'est là que tu sais que c'est fini. C'est scrap. Toi, Annabelle, quand tu ris dans une conversation écrite, qu'est-ce que t'écris, toi? Hihi. Moi aussi, j'écris hihi. Ouais, c'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est plus qu'un choix. Oh, ça va être le 2016, peut-être. Oh, je suis pro. C'est pas mal. On part de ça. On essaie de partir ça. Nous et les auditeurs de Shot, on écrit ho. On écrit ho ho tout le temps. Si je me polissais le pied là avec une pierre ponce, ouais, c'est bon ça. Donc ensuite, il y a Maxime Gervais, mon bon ami Maxime, qui est intervenu pour répondre à Jessica en lui disant: Jessica, si on t'annonçait que le gars n'est pas sérieux dans sa vidéo, qui ne fait qu'encourager les gens à poser le genre de commentaires que tu fais, est-ce que tu le croirais? Donc, Maxime, toujours un être lumineux. Oui. Oh, j'aime bien. Oui, oh, il est sympathique. C'est pas mal. Faudrait que tu le rencontres. Puis, Jessica, à ça, a répondu: je le sais déjà, lol. Faut rendre ça plus crédible. Non, lol. Puis là, Maxime a rajouté: mission accomplie en ce qui te concerne. Clin d'œil à Dominique Morin. C'était vraiment très drôle. Donc, Nicolas Rowe, lui, t'es donc ben un moron, man, le mix de chips, c'est parfait en temps. T-E-N, que consommateur, j'adore ce genre de produit, alors si t'es pas content, achète-en pas. Donc, encore une fois, on revient souvent à cet argument-là. Oui. Ensuite, il y a eu Nicolas Dirado qui, lui aussi, fait des présomptions que j'ai pas de job, donc il me dit: et voilà où va l'argent du BS. Hey, fait que moi, j'ai répondu: j'ai deux jobs et toi, en majuscule. Puis après ça, j'ai aussi un chat, toi, t'as combien de chats? Il m'a jamais répondu à ça, finalement. Puis là, après ça, Mathieu, il a juste recopié la photo de profil de ce gars-là, en gros plan. Juste un zoom de ses petits yeux porcins. Puis vous irez voir, c'est effectivement ça. Excuse-moi, Étienne, on a un appel. Ah, oh, c'est peut-être lui qui appelle. Des hey! Oui? Allô? Oui. Oui, allô? Oui, c'est Murphy Cooper. Ah, Okay. Hey, salut Murphy, ça va? Hey, t'es-tu connu, Murphy? Oui. Hey, je
suis pas là. J'arriverai pas en retard aujourd'hui. Comme prévu. Et je serai pas là non plus. Ah. OK, ben c'est comme je t'avais quand même, je t'avais mis ton thème, tu te le mettre? Oui, oui. OK, je vais mettre ton thème. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Ben moi, je considère que c'est quand même comme une chronique ce que tu viens de faire là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. J'aurais un petit message pour Murphy Cooper. Oui, oui. Alors, Pistache Montréal, tout d'abord, pistache, complètement oui. Pistache. Alors, je tiens à dire, j'ai lu vos textes, Monsieur Cooper. Alors, j'ai été fasciné par cette volonté de changement. Alors, le statu quo, on le rejette, c'est la nouvelle génération. Alors, on change le paradigme. Voilà, les algorithmes, on les mélange et dans une grande danse, un grand tourbillon où on abat les règles. Et c'est ce que j'ai aimé, cette plume audacieuse et nouvelle. Voilà. OK. Ben, merci beaucoup, Murphy. T'en prends note, Murphy. Non, j'ai pas fini. Ah, OK, OK, ouais, vas-y. J'appelais pour dire, parce que là, j'écoute Étienne parler du tantôt, puis ben c'est ça s'apparente beaucoup à ce que j'ai fait dans la dernière année, mon expérience vidéo. Ben oui, c'est fou, je me prenais pour Murphy, là. Moi, je me disais, c'est ça que ce gars-là vit tout le temps, c'est complètement fou. Ben c'est ça. Puis là, j'écoutais les commentaires, j'écoutais lire les commentaires, tout ça, puis j'étais comme, oh my God, c'est tout ça, c'est exactement... C'est dans précisément tout ce que j'ai lu pendant un an, dans les mêmes mots. Là. C'est fou, hein? Les mêmes mots. Les gens sont tellement prévisibles. Là, je veux dire, j'ai même pas eu besoin d'aller lire les commentaires sous tes vidéos. Je savais déjà ce qui allait être écrit là, à un tel point que c'est prévisible. Là. J'ai une question pour toi, Murphy. T'as-tu une théorie par rapport à ça? Moi, je pense que c'est parce que les gens sont profondément malheureux pis en tabarnak. Fait qu'ils ont juste hâte de pouvoir ridiculiser, insulter pis se vendre. C'est du bullying. Ouais, genre. Penses-tu que c'est ça? Ben, je pense que les gens ont besoin constamment de se dégoter un bouc émissaire le plus rapidement possible. Un paratonnerre de la colère. Hey, c'est beau ça. Wow. Oui. Tiens, ça va? Bon. Bye bye. Valérie qui du monde en de bonne humeur. Okay, ouais. Oui. On va passer Murphy, excuse-moi. Oui, ben, c'est ça. C'est, les gens ont besoin de cette urgence-là de se dégoter un bouc émissaire. Puis c'est un peu comme une game de Call TV en même temps. C'est, les gens voient quelque chose, ils voient une faille, ils voient que, oh my God, OK, ce gars-là, il est con, je le sais qu'il est con. Un peu comme nous quand, ben pas moi, je le faisais pas, mais comme, mettons des cégepiens, là, qui viennent de se rendre compte que Richard Martineau, c'est un cave, là. Ben, ouais. C'est comme, ah, oh, OK, là, ça, c'est un sophisme. Fait que là, genre, OK, fait que ça, c'est pas un sophisme, ma peur. Fait que là, ils s'en vont le pointer juste plus. C'est comme une manière de montrer que tu t'es comme surélevé par-dessus quelqu'un d'autre. Ouais, mais au moins, les gens avec Martineau, ils ont raison, tu sais. Là, en plus, c'est doublement cave. Évidemment, ils ont raison. Mais en même temps, c'est quand même drôle, mettons, d'imaginer quelqu'un qui s'en va prendre une marche parce qu'il vient de lire Martineau, genre, ou juste d'être vraiment fâché, là, tu sais, après avoir lu Martineau. C'est un peu ça, tu sais, c'est comme... En tout cas, moi, Murphy, un matin dans le métro, là, je peux te dire que le monde m'a rien dit, mais leur regard faisait... Je le savais qu'il le sentait. Mais moi, ben, t'sais, fou, là. Mais je t'avouerais, tu sais, qu'en 2012, je me suis laissé avoir une couple de fois. T'sais, à être en crise pour vrai, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah Mathieu, il y a beaucoup d'émotions. Je suis pas fier. C'est une boule d'émotion. Ben ouais. J'ai jamais compris ça. J'ai toujours parce que je le trouve cave, Martino, mais tu sais, mais c'est parce que ça, c'est comme une manière d'exprimer que ben j'ai l'impression que c'est aussitôt que tu trouves une faille, aussitôt que tu vois qu'il y a quelque chose, au lieu de juste le dire très calmement. Puis dire comme, oh, je viens de voir que ce que Martineau a dit, c'était pas super intelligent. Ben, comme, on dirait qu'on est porté à faire comme, hey, il y a ce cave, tabarnak, blablabla. C'est comme si on voulait juste le montrer. On voulait montrer notre suprématie par rapport à quelque chose qui nous a dérangé, là. J'entendais le Jason Segel, il était en entrevue avec Marc Maron dans son podcast, puis il disait que ce qu'il faisait le plus chier dans la société, c'est qu'à cette heure, tout est soit un epic win ou un epic fail. Il y a plus d'espèce de juste milieu, tu sais. Faut qu'on ridiculise la personne qui se trompe un petit peu, puis si tu réussis, ben c'est un epic win ou c'est the best thing ever, là. Exactement, c'est ça. C'est un peu la volonté de puissance du petit peuple, là, qui veut... faire souffrir l'autre. Ben, c'est complètement pistache. Ça résume bien. C'est vrai que c'est très pistache.
Ben, merci Murphy. Hey, c'était bien sérieux, Murphy. Je vais pas vous prendre plus de temps. C'est non, juste c'est parce que c'est très intéressant que quelqu'un d'autre que moi se soit. Ah ouais, écoute, moi, ça m'a fait comprendre qu'est-ce que tu vis au quotidien. Là. J'ai été ébahi de voir que toi, tu pouvais vivre ça tout le temps. Mais imagine, lui est connu en plus. En plus, ouais. Moi, je suis pas connu, fait qu'au moins, j'ai ça, l'avantage. On m'arrête pas dans la rue pour continuer cette discussion-là. C'est ça, je le vivais dans le métro aussi, mais comme le fait de savoir que Étienne l'a fait, ça m'a comme. Ouh, ok, quelqu'un d'autre l'a vu. Est-ce que ça t'est arrivé à la station Guy Turcotte? Oui. C'est la station où je me suis fait le plus souvent aborder. Ben écoute, passe une belle journée, Murphy. Qu'est-ce que tu as de bon aujourd'hui? Probablement écouter en loop la chanson thème de John Cena. Parfait. Bon, au revoir, Murphy. Hey, bye, Murphy. Salut. Ouais, ouais. OK, alors Étienne conclut ça. Ouais, alors ensuite j'ai été voir un autre truc qui est intéressant, c'est les gens qui partagent ma vidéo, puis là eux ils font souvent des commentaires en le partageant, puis leurs amis commentent aussi. Puis là ben comme ils sont pas sur ma page, ils sont plus authentiques, puis ils s'adressent pas à moi, ils font juste comme être fâchés en général. Ils croient que je le vois pas ça, puis souvent je peux le voir dépendamment de leur setting Facebook. Donc, entre autres, ben là, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Méchant tata qui sait pas quoi faire de sa vie ». Et cette personne, c'est José Auclair, si je comprends bien. Je crois que c'est la tante de Mathieu. Eh oui. J'ai écrit « Allô ». Okay, c'est des gens qui viennent de Valcourt. Okay, c'est loin, Valcourt. Okay. Alors voilà, les cordes du pantin s'en mêlent. Du voilà. Coup, La pomme tombe pas loin. Valcourt, c'est la ville de Bombardier. Oui, exactement. Ah. Ben, ils ont tous travaillé dans les zones de skidou. Vincent Bolduc, il joue Bombardier Jeune. Alors, connaissez Corne Pirate? Ben oui. Elle est dans le coin. Elle habite à côté de chez nous. J'aimerais bien prendre un café. Elle est dans le Myland tout le temps. Bon, nous autres, Maxime, il est pas là aujourd'hui, mais il a découvert hier qu'on avait Tupac de Limoilou qui restait à côté de chez nous. Tu sais, la vidéo dans le temps, là, c'est un gars qui dit « Je m'appelle Tupac. » Comment ça s'appelle Tupac? Parce que je m'en vais le faire tatouer sa bulle. Effectivement, si Max... si je me fasse, que Max me dit effectivement, t'as tout Tupac d'en face, puis t'es habillé comme le Tupac. Ah, wow! Jusqu'au bout. Il rentre à Hochelaga, de Limoilou à Hochelaga. Alors, ben, à être mêlé dans plein de places. Fait que je vais conclure avec deux dernières affaires, puis après ça, je vous rends le micro. Il y a des gens qui mélangent, évidemment, toutes les causes, puis ça m'a bien fait rire quand on a franchi ce point-là. Il y a Nora Lapointe qui dit, wow, on se plaint pour rien au Québec. Va voir ailleurs, tu vas voir que ta plainte, c'est pas grand-chose. À côté de ce que les immigrants vivent, donc voilà. Ah. Immigrants avec un D, donc des grands immigrants. Puis après ça, ben il y a Yves Lantaigne qui reprend un peu les mêmes propos en disant « Wow, la vie est tellement dure. Pendant ce temps-là, Guy Turcotte est en liberté, je croyais, mais non. Pendant ce temps-là, des gens et des enfants se noient en tentant de fuir la Syrie. » Ah, mon Dieu! On est rendu là! C'est le genre de point Godwin de la Syrie. Mais ici, on s'insurge contre Frito-Lay. Fait que là, j'ai répondu parce que je pouvais à ce moment-là. On ne peut pas régler tous les problèmes du monde à la fois, mais chaque problème réglé est un pas dans la bonne direction. Ça, c'est mon attitude. Là... Lui, Yves, dit « Ceci n'est même pas un problème, alors que les migrants qui se noient tous les jours en est un très grave. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Malheureusement, ça semble être la norme de nos jours. » Fait que là, je dis « Ah, ok, toi, tu peux décider ce qui est un problème. Je savais pas. Je te consulterai la prochaine fois que je pense en avoir un. » Puis là, après ça, il finit. À part « Bon, je ne suis pas d'accord, mais respecte votre opinion. Je vous souhaite une bonne soirée. » Donc, il finit quand même gentiment. Ouais, ok, c'est ça. Ça se termine bien quand même. Ouais, ça se termine bien. Puis donc là, cette semaine, j'ai fait une suite à cette vidéo-là. Je vais la mettre sur la page de Décideret où je montre un sac de moulé qui est en fait quatre sortes de moulé mélangés qu'un de mes amis donnait à son chien. Puis le chien, ça, on a été étonnés, je l'ai filmé, le chien trie la moulée avec sa bouche. C'est hilarant. Il met la moulée de côté, les grains qu'il aime pas, fait que ça fait comme des petits tas. Puis donc là, c'est donc une preuve que même les animaux veulent pas manger ça. Fait que j'ai publié ça, puis partagez-le en grande. Même si les animaux veulent pas. Merci beaucoup, Étienne. Faut juste que je fasse un petit add-on à la chronique d'Étienne. L'effet Décideret peut être aussi dangereux, ça apporte pas juste des bonnes choses. La semaine dernière, on a retrouvé mort un des héritiers de Frito-Lay. C'est vrai. C'est donc le petit-fils de Monsieur Lay a été retrouvé mort juste après que Étienne a publié sa vidéo. Est-ce donc, que c'est à cause de ça? On est-tu capable de tuer du monde? Là, ben, ça a l'air. Depuis le printemps, je viens de trouver ça, depuis le printemps, Frito-Lay est comme un gros procès, méga procès, parce que leur maïs qui appartient à Monsanto serait poison. En tout cas, ça a des ramifications, tout ça. Ça vaut d'autant plus la peine de le trier à ce moment-là. Ben oui, pour enlever ceux qui sont empoisonnés. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ouais, ça me fait plaisir. Annabelle, t'es prête? Ben oui. OK, c'est bon. Une bonne attitude, ça. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Faites ta niaiserie.
C'est sérieux. J'ai comme une émotion. C'est pour te mettre en confiance. Ah oui, c'est vraiment gentil, un thème approprié. Ben c'est ça, c'est parce que quand tu m'as demandé si je voulais venir, j'étais en pleine crise d'angoisse sur mes ovaires. Ben, je pense qu'on était les deux chauds, en fait. Oui, on était sous mort. Puis là, dans ce temps-là, je suis comme tout le temps, oui. Tu sais, ce matin, le réveil fut brutal. Toujours oui. Oui, toujours oui. C'est très pistache. Bon, alors j'ai commencé à connaître mon ami Julien, et je sais que des fois, il faut lui dire non. Ah. Ben voilà, ouais, parce que sinon dans les drôles de position. Tu me prêtes ton crayon que je note. Non, j'ai pas de crayon, hein. Bon. Fait que c'est ça, je capotais un peu sur mon cas. Mon gars, tout ce qu'il veut de moi à ce temps, c'est que j'y foute la paix. Puis là, j'ai les ovaires qui shootent des obus non-stop. Tu sais, on dirait que je veux être encore une maman, tu sais. Ça fait comme... non, mais c'est comme... Tu sais, c'est comme si ça faisait des années que je vis à 88 miles à l'heure. Là. Puis là, ma DeLorean est installée. J'ai pas de plutonium. Puis c'est ça, j'ai pas de pleurs de bananes. Les singes, je les mange. Je crois que Julien a du plutonium. Ah oui? J'en ai du bon, mais on en reparlera. je sais pas, là. Fait que là, je me retrouve devant un vide, puis je me suis demandé s'il y avait d'autres personnes, parce que j'ai quand même juste 41 ans, là, quand même. Puis je me retrouve avec comme plus d'accomplissement à faire. Tu sais, ma famille est faite, bon, la carrière, tout ça. Puis je me suis demandé s'il y a des personnes à qui ça pouvait être arrivé encore plus jeune que moi, cette espèce de moment-là que les gens vivent habituellement vers 50. 55 ans, ben moi, j'ai 55. Rien fait, mais je me sens vraiment... Ben, j'ai 32, ouais, bon, mais c'est merveilleux. Bien. C'est à la bonne place, mettons. Fait que c'est j'ai ça, même fait pas que de drap dans mon lit. Non. Encore? Non. T'es en perdu? Que... Ben, je sais pas ça où, là. Oh. Ah, moi, le coin de mon drap contour, il a relevé. Ah, bon. Ah, ouais. Ça, c'est pas cool. J'ai encore un sleeping bag dans ma valise de char. Tu me feras penser de te laisser. Donc, c'est ça. Quand on se regarde, on se désole, qu'ils disent. Fait que j'ai regardé pour me consoler. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a une petite fille. J'ai été traumatisée. J'ai trouvé sur Internet que l'enfant, ben, la femme ou la fille qui avait eu l'enfant le plus jeune au monde avait seulement 5 ans et demi. Et voyons. Ouais. Elle s'appelait Lina Medina. Puis, bon, c'est un pays d'Europe de l'Est, là. On précisait pas vraiment. On les confond toutes, hein. C'était ben pas un article très complet. Il y avait comme deux paragraphes, puis c'était en masse. C'est quand sûr que c'est vrai. De... Bon, l'Internet l'a dit. Ben, Internet l'a dit. Ben, j'ai déjà entendu photos. Ça. Ils l'ont élevé comme si c'était sa grand-mère qui l'élevait, puis oui, il pensait que c'était sa c'est mère. C'est ça. Il pensait que c'était sa sœur tout le temps, puis il l'a appris plus tard. Paraît-il qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il est mort à 40 ans à cause du chagrin d'avoir su que sa mère. Était en fait sa sœur. Ah oui. Mort de chagrin, un peu comme Padmé. Ouais. Pensez à ça aussi, oui. Mais c'est fucké le système humain parce que ça a l'air que la petite a réussi ses règles à 2 ans et demi. Tu sais, fait que t'es comme menstruée dans ta couche. C'est. C'est j'ai eu comme. Oui! J'avais des images d'horreur qui me venaient. Alors, il y a plusieurs Europes, hein. Je le répète, je l'ai toujours dit. L'Est. Quand j'entends mon voisin, on a tendance à détourner le regard. Oui, mais alors qu'on devrait peut-être l'affronter. Ça, c'était en 1939, mais j'ai poussé mes recherches encore plus loin. J'ai été voir les statistiques. Tu pensais de quoi de pire en 1939? Je sais pas. Okay, je suis pas vraiment au courant de l'actualité de 1939. Ça sent tellement fort, ça m'étourdit. Oui. En tout cas, ça a l'air que tout le monde était au faux. Bon, alors je vais te dire que quand j'ai vérifié l'âge le plus jeune en général, ces années-ci, là, dans les années qui... c'est pas mal en moyenne 12 ans, là, les âges les plus jeunes qui ont été relevés. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiétait le plus de tout ça, là, c'est qu'on parle pas de questionnement par rapport à qui était le père de cet enfant-là. C'est complètement dégueulasse. Ouais, parce que c'est un viol, là, c'est un enfant. Ben là, 5 ans et demi... Puis même 12 ans, là. Sérieux. Ben avec les lois médiévales, dès qu'il y a floraison, il peut y avoir mariage. Oui, j'ai dit qu'il y a floraison. Ah, Nick milite beaucoup pour le retour des lois médiévales. Ouais, c'était comme le cue. C'est une bonne défense. C'est une quoi. Femme maintenant. Je voudrais citer une loi médiévale, madame la juge. Monsieur l'écuyer. Vous me rappelez Zemmour. Zemmour. Non. Je vais attendre ma sentence à l'auberge. Et puis, Stache, c'est pas pour t'insulter, mais c'est encore les pays d'Europe qui remportent la palme en fait de grossesse les plus jeunes. Ouais, c'est pas pour rien que mon dernier album est Pistache Montréal. Hein, je me détache un petit peu. Bon, je vous l'entendrez, je demeure parisien, mais bon. Ça va venir, l'accent, inquiète pas. Oh, je pense pas. Là, ben, je me suis mis à délirer un peu à voir qu'est-ce que ça pouvait avoir là comme relation quand t'as ton premier enfant à 5 ans et demi, tu sais. Puis j'imaginais « Maman! » Donne-moi mon jouet! C'est moi qui l'avais en premier! Ah, ouais. J'ai vu mon fils comme ça, moi. Oui? Ouais. Ouais. C'était bien cool. Il va bien.
Ouais, il va correct. Il va pas plus que ça, Étienne. C'est un ado, il cherche. Annabelle, la question qui me brûle les lèvres, c'est et maintenant dans cette quarantaine un peu perdue, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? À quoi on se rattache maintenant? Quels sont... À Tinder. Oui, c'est ce que j'allais répondre. Les rencontres humaines. Eh bien, je connais mon ami Julien depuis déjà, quoi, 2 semaines. Bon, et je sais que cet homme peut vous faire vivre différents rêves, quoi. C'est un rêve de manger des ailes de poulet. Des concombres, des cages à chiens. Alors il peut vous amener. Les cages à chiens finalement à déménager. Je ne l'ai pas amené, moi. Dans mon garage. J'allais laisser là la cage à chiens. Avec tous ses accessoires. Avec le petit tricycle. Bon, voilà, le chien. Elle rentrait pas dans mon char, on a tout fait. J'ai essayé de mettre du Febreze là-dessus. Ça chauffe, Martin, là, ça chauffe. Vous l'aviez, là. Fait que, bon, mais pour terminer, moi, je voudrais juste passer un petit message aux toutes les petites filles de 5 ans et demi qui nous écoutent présentement. Qui sont enceintes. Oui. Portez pas des bas de laine! Venez dans des bottes! Non, c'est plus sérieux que ça. C'était... Pardon. Tu ferais une super maman. Mais pas maintenant. Dans 13 ans. Pour ajouter à ça, vous savez que c'est maintenant techniquement possible de faire naître l'enfant d'une mère avant que la mère naisse. Bon. Parce qu'avec les cellules souches, dès que l'œuf a été fertilisé, on peut aller chercher la cellule souche, la transformer en ovaire. On peut l'injecter dans une autre personne et faire que le bébé naisse avant l'autre. Avant la mort. Mais pourquoi tu ferais ça? C'est horrible. Non, mais c'est juste, c'est techniquement possible. C'est comme juste une gageure. Ils peuvent faire ça, mais ils peuvent pas ôter l'odeur de mes pieds. Va bien, votre société. Ben, merci beaucoup, Annabelle. Merci. Où on peut te trouver? Chez Julien. Fait que c'est ça, voilà. Alors, on va continuer avec... Puis ça, je me rappelle, comment vous avez vécu ça, les attentats de Charlie Hebdo, vous? Bon. Ben, du coup, c'est une tragédie. C'est risible, hein. C'est ridicule. C'est complètement grotesque. Oui. Et je crois que, par contre, l'après-coup, c'est venu peut-être légitimer le travail de l'artiste. C'est venu aiguiser notre crayon. Qui avait la mine peut-être un peu ronde. Oui. Et voilà que maintenant, non seulement on peut, avec cette mine bien pointue, non seulement on peut écrire encore, mais on peut piquer. Ah. Et il faut piquer. Voilà. Bah oui, bon, c'est essentiel dans le travail, qu'on soit sculpteur, poète, ou bon, comme moi qui fais de la pop, mais bon, voilà, la pop a son message, la pop peut livrer des messages, bon, voilà. J'ai pas ça entendre de vos chansons, hein. C'est dommage que vous n'avez pas porté votre album. Ça m'intrigue un peu. C'est parce que l'album est sorti encore. Je suis en promo, hein. En promo, mais il n'y a pas de musique à le faire entendre. Juste un petit beat, là. Mais dans cet ordre d'idée, je sais que mon ami Maxime Gervais entre à l'instant dans le studio pour nous présenter un album qui arrive. Salut Max. Hey, Max! T'étais où? On est partis ensemble dans le métro, puis un moment donné, t'as mis tes lunettes de soleil, je t'ai perdu. Hey, Max! Oui! C'est moins, là. Ça pue, que ça sent. Ça sent le fromage. C'est Eric. Vas-y, mon champ. C'est ça. Il y a 2 semaines, on vous a fait découvrir le super groupe d'Alma nommé Mascarade, un groupe métal, avec la superbe chanson qui est maintenant un hymne, Mon cousin gay. Mon cousin gay. On s'en souvient, mais là, aujourd'hui, on récite avec Mascarade et la chanson Les ados. Ah ouais. Qui est, on sait pas trop le message, là, mais ça parle des ados. Annabelle, je pense que ça va te rejoindre. T'as 3 ados, Annabelle. Oui. T'as 3 ados, tu nous diras ce que t'en penses. Adulte, quand même. J'en ai 2. 3 adultes, en fait. Aïe, aïe. Tu dois en avoir plein l'ado. Ah oui. C'était bon, ça. Ouais, 22, 21, 18. OK. Puis ça a-tu été facile? Le jour de l'accouchement, tu parles? Je sais pas. Non, c'est Maxime. C'est ça, les ados de Mascarade. Voilà, à des si et des rêves. Alors, comment je fais pour partir un CD? Le petit triangle couché sur le côté. Ah, voilà. C'est vrai. Division, incompréhension, des chimpanzés en pantalon. Pas sérieux, irrévérencieux, merde les voilà, sauf qui peut. Tous ces
ses fanfarons aux cheveux longs ne sont ni des hommes ni des garçons. Et ses pauvres filles ados tatouées sont prêtes à tout. T'as ouvert les micros. Je viens d'ouvrir les micros. Oh, ouais. On ouvre les On attend, parce que là, le meilleur bout s'en vient. Ah, oui. Attention. Fini. Tu sais, as-tu payé pour les droits de ça ou... C'est ça. Fini pour l'été. Parce qu'ils n'ont pas écrit ça, ça appartient à quelqu'un, tu sais. L'école est fermée. Je comprends que ces personnes ont plus d'argent qu'eux autres, mais... Fermé pour la vie. La propriété intellectuelle, c'est quand même important. Mais... Fermez les écoles pour la vie. Fermez les écoles pour la vie. Vous êtes toujours à choc.ca. C'est pas des enseignants, ces gars-là, d'ailleurs. Oui, c'est un prof de maths. Que... Quelqu'un a dit... Non. Ah, un prof de d'anglais, je crois. Je sais pas. Éric, t'as quelque chose pour nous? Ouais, ben, je suis désolé. Hein, on dirait que ça augmente tout le temps. Je voulais juste dire que il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que au Japon, ils trippent bien raide là-dessus. Ils m'invitent une fois par année à y aller. Ils mettent dans une pièce, là. Il y a à peu près 3000 personnes, puis eux autres, ils sortent. Okay. Je pense que tu peux vendre tes bas sur eBay aussi. Ouais, l'odeur, ça a pas de langue, hein. Fait que, non, c'est sûr. J'aime ça une fille qui sent fort, quand même. Fait que, voilà, on va continuer avec Sophie. Mais, bon. Ouais, elle vient de faire du jogging. Non, fait comme je suis. Non. Tu laisses la face à Annabelle. Avec Sophie Foss, Otto. Bon, fascinant. Sophie, une fille qui sent fort. Merci. T'as pas d'odorat, comment tu le sais? T'as pas d'odorat? Non. Si tu fais avec ça. Ah. Hey, j'ai appris ça cette semaine. Mais oui. Mais voyons. Parce que maintenant, moi puis Étienne, on est collègues de travail, fait que là, on va au travail en même temps ensemble. Oh, get a room. J'ai appris qu'il n'y avait pas d'odorat. Est-ce que vous saviez aussi qu'on ne peut pas roter dans l'espace?
Je sais pas si ça allez donc, allez donc. Voyons donc. Non, on peut pas rentrer dans l'espace parce qu'il y a des lois, là. Si on peut le faire à Paris. Alors, je suis. En fait, ce qui arrive, c'est que sur la Terre, la gravité retient la bouffe dans notre estomac, mais là, si on rote dans l'espace, ben, tout sort. C'est un vomi automatique. Vomi automatique, tout ce qui est là sort en même temps. Donc, les astronautes le savent dans leur training, il ne faut pas qu'ils rotent. Puis c'est bien important, ça fait vraiment partie. Là, fait que s'ils sentent le besoin, il faut qu'ils le gardent en dedans. Ils le gardent en dedans, mais là, qu'est-ce qui se passe avec tous ces gaz-là qui ne sortent pas de notre corps? Ils explosent. Non. Explosent! Ils se recyclent en pète. Donc, c'est connu aussi que les astronautes pètent beaucoup plus dans l'espace que sur Terre. Et d'ailleurs, en 1969, il y a eu une grande enquête qui s'appelait « Méthane et hydrogène intestinaux des hommes nourris dans une diète spatiale ». En fait, c'était pour savoir si la diète que des astronautes dans l'espace les faisait plus péter que la bouffe sur Terre. Puis surtout, de savoir si les gaz qui sortaient par les pètes étaient dangereux. Parce que tu sais, dans un espace confiné du méthane, on sait que ça peut exploser. Au moins, l'avantage, c'est qu'on est toujours bouché. Oui, en effet. Et on est toujours bouché parce que les fluides remontent toujours à la tête. Peut-on puer des pieds dans l'espace? Probable. Je sais que Chris Hadfield avait dit quelque chose là-dessus. Je vais le noter puis je vais vous revenir là-dessus. OK, à suivre. Ça serait apprécié. Oui, pas de problème. En fait, là, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont fait deux groupes d'hommes, de six hommes, et ils ont analysé tous leurs gaz rectaux. Autant les gaz qui rectaux, sortaient... Rectaux. Verso. Pas ce recto. Elle est bonne, poète. Elle est bonne, pistache. Ouais, ouais. Merci. Merci. Tu devrais faire une rime dans ta prochaine tune avec ça. Autant les pets qui étaient par la bouffe que les pets nerveux aussi. Parce que, tu sais, on sait que quand Pardon, comme désolé. Ça, quand on est stressé, on fait des pets. On va pas changer d'odeur. On fait des pets nerveux. Donc. Puis il y en a beaucoup en espace parce qu'on vit beaucoup de stress dans l'espace. Ben, et ils ont découvert qu'en fait, on faisait jusqu'à 100 millilitres de pète de plus dans l'espace en 12 heures que sur Terre. Donc, c'est un 200 millilitres en 12 heures qu'on fait sur Terre versus un 300 millilitres dans l'espace. Le seul aspect vraiment intéressant, c'est comme... Ben, ça fait 50% de plus. C'est impressionnant. Oui, non. Mais ben, moi, espace et scatologie me fascinent. C'est deux choses qui me passionnent. Je suis là pour vraiment ouvrir les valves de ces la connaissance spatiale. Ouvertes. Et une chose aussi qui est très importante de savoir, ça c'est Chris Hadfield qui nous l'a dit, il y a un petit gars dans une classe là, qui a demandé ça, est-ce qu'on peut se déplacer dans l'espace avec des pets? Et Chris Hadfield a dit non, tous les astronautes l'essayent en disant c'est pas ouais, assez de trust, hein. Ouais, c'est ça, mais mes pets sont plus puissants que les tiens, moi ça va marcher, mais non, on peut pas se déplacer dans l'absence de gravité avec juste la puissance de nos pets. D'ailleurs, mais la semaine passée... Pourtant, c'est une projection. La semaine passée, quand tu as fait cette chronique-là, j'avais posé la même question, que l'enfant de primaire, voilà. C'est ça. Non, c'est mais pas... Mais donc, les pets trop puissants qui deviennent vaseux, est-ce que ça fait des sphères de caca? Ça reste dans tes bobettes, là, normalement, tu te promènes pas nu-fesse dans l'espace. si tu veux te faire propulser, c'est une autre loi, ça. Mais en fait, c'est peut-être ça, le problème, c'est que... En fait, déjà, c'est pas la bonne sorte de gaz, là, pour te propulser, mais c'est surtout que, tu sais, il y a quelque chose qui arrête. Ah, mais si on allumait le pet... Oh. Ça ferait probablement exploser tout le reste. Je veux dire, il y a de l'oxygène en masse. Je suis pas sûr qu'allumer la lumière dans le pet, ça donne pas plus de pression. Non, mais ça fait une explosion, tu sais. Qui va faire juste endommager le... Tu prends cette énergie-là puis tu la concentres quelque part. Ouais. Avec un cône, peut-être, dans un tuyau. Tu pètes dans un cône en le brûlant. Ouais. Nu-fesse. C'est très recto, ça. Complètement recto. Donc voilà, vous l'aurez appris ici. Eh bien, merci, Sophie. Ben, merci beaucoup, Sophie. Très plaisir. Très spatial. Très intéressant. On va continuer avec Nicolas. On n'a pas le choix, là. Il s'est présenté. Ah, oui. Mais tu m'as demandé un façonnique, c'est ça? Fascinique. Pas façonnique. Ouais, attention. Bref, c'est pas la même chose. On fabrique. Là, c'était pas le fascinique, laisse faire, puis je vais le dire direct. Je trouve pas le thème, là. Bon, laisse faire. Le ton presse, hein. Je pense que je te l'ai quand même répété trois fois avant l'émission. Ouais, mais bon, c'est bien toi. Oui. Mais là, c'est un peu dommage parce que... Pistache, peux-tu nous chanter un thème pour Fascinique, s'il te plaît? Non. Okay. Bon, okay. Je pensais qu'on s'aimait bien. Ils chantent pas sur comment. Mais c'est parce que je veux m'abreuver de vos paroles, moi, Nicolas. Allez-y, d'accord, merde. D'accord. Okay. Mais c'est un peu dommage parce que la chronique de Sophie était super positive. C'était plein de belles connaissances, le fun. Et moi, c'était un peu plus pour... Bon, il y avait un thème un peu moribond. Là, on a manqué l'émission. T'es déprimant, en général. Les choses vont mal, il pleut. On a des petits problèmes constamment. Les chips sont mélangés, donc on est tout le temps les bébés snow, hein? Pognés dans nos problèmes. Et moi, je voulais essayer de sortir quelque chose un peu positif de ça et de se dire, bon, ben, tous ces problèmes-là qui nous accablent, ben ça va pas durer très longtemps.
Ouais. Donc, on a tous ces problèmes-là, et puis même en tant que race humaine, on a tous cette idée-là, on a la responsabilité de plein de choses, et puis on s'en sort pas. Mais j'arrive avec des bonnes nouvelles, c'est que, justement, il va avoir une fin assez rapide à ça. C'est-à-dire que là, ils ont fait une étude sur la mort thermique de l'univers, et ça semble se confirmer que, petit à petit, on est en train d'épuiser pas mal l'énergie. Ouais. Donc, ils ont fait l'étude de 200 000 galaxies pour mesurer l'énergie qui était générée par ces galaxies. Moi, j'aimerais ça mourir. Ça s'en vient-tu? Ou ah oui, ça s'en vient, Julien. Okay, d'accord, okay, cool. Donc, ils ont mesuré ça et ils ont pu voir que, finalement, l'output de l'univers, l'énergie qui est produite par les galaxies dans notre région, à tout le moins, a diminué de moitié depuis... Wow! On produit moitié moins d'énergie qu'il y a 2 milliards d'années. Ça a-tu rapport avec le reverse de comme l'univers est plus en expansion, mais il est en rétraction? Non, en fait, il est encore en expansion, mais l'énergie... L'énergie, elle se dépense, hein? Ben, c'est que l'énergie part du stade de concentré à disperser. Ah, c'est ça. Okay. C'est la même énergie pour plus d'espace. Ouais, ouais, ouais. C'est l'entropie, c'est donc ça. Cette énergie-là, puisqu'elle est dispersée, elle devient inutile. Alors du coup, Nicolas, vous venez avec moi sur Paris, on sort en boîte. Alors on arrive, on petit tour aux toilettes, on arrive, on danse, on a de l'énergie. Mais là, si on nous revoit 4 heures plus tard, eh bien... On a moins d'énergie. On est plus dispersé. On est plus dispersé. Peut-être que même, voilà. On s'est perdu dans la boîte. Et voilà, aussi, les personnes obèses, ils fatiguent plus vite parce que, tu sais, ils ont comme la même énergie. Mais dans un plus grand volume. Exactement. Et à 7 heures du mat, Nick, qu'est-ce qui reste de nous? Ben voilà, on est dans la rue, on est couché dans la rue, on est sur un trottoir, quoi. T'as l'air de poignée de pistache qui a été lancée dans la rue. Excellente métaphore. Donc, l'entropie fonctionne sans arrêt. Et donc, on en a pour relativement pas longtemps. Et ça a été vraiment vu dans tous les spectres lumineux de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge profond, ça diminue constamment. Donc là, si jamais vous vous dites, bon, ben, c'est encore plusieurs milliards d'années qu'on est pogné à se sentir responsable et avoir tous les problèmes sur la Terre, eh bien, une autre bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle s'en vient et va probablement enlever tous ces problèmes-là de sur nos épaules. Et si vous pensez que c'est encore dans longtemps, bien, la CERC compagnie Hitachi, au Japon, a déjà introduit une intelligence artificielle qui s'occupe, qui est le boss de plusieurs employés dans une... comment on appelle ça? Des employés humains? Oui, des employés humains dans un entrepôt là, de warehouse que ils font du shipping. Puis, comment on appelle ça? En français, please. Un entrepôt, ouais. Qui font l'import-export. Oui, c'est ça. La manutention. La manutention, c'est le mot. J'ai gagné. Le mot juste. Donc, l'intelligence artificielle préfère la langue. Tous les plus grands scientifiques du monde, tu sais, Elon Musk, puis Stephen Hawking, puis tout le monde disent que le plus grand danger de l'humanité, c'est l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est un danger, oui et non. C'est un danger si on veut continuer à être. C'est sûr, ça va bien. Non, Sophie a raison d'un certain point de vue. Si on se fie à Skynet, on n'avait pas vu Terminator 5. D'un autre point de vue, c'est si on veut plus avoir la responsabilité d'être les top dogs, de c'est nous qui s'en occupe, c'est nous les plus intelligents. De se faire diriger. Si quelqu'un est plus intelligent que nous, ben, c'est lui qui s'en occupe après. Ah, mais ils vont se débarrasser de nous après. Ben, pas nécessairement, mais c'est ça qui est inquiétant, c'est que cette AI-là, justement. S'ils font de la pop, là, je suppose. Non, mais écoutez-moi, là. Cette AI-là, c'est elle le boss de plusieurs employés. Donc, c'est elle qui donne des ordres à des humains. Après 2 minutes. Donc, elle est capable d'évaluer la demande de travail sur le site en temps réel en évaluant une immense quantité d'informations. Donc, la température, le workload, le type d'employé qu'elle a sous la main en ce moment, elle évalue tout ça. Et puis, elle donne des ordres particuliers dépendant de l'information. Mais le facteur humain, si les employés sont fatigués... Mais c'est ça. En plus, c'est qu'on va syndiquer les robots. Il prend en considération les employés aussi. Il y a un terme au Japon, ça s'appelle le Kaizen. Et c'est l'amélioration continue des pratiques de travail et l'efficacité personnelle. Donc, les employés, quand ils reçoivent la charge de travail, ils essaient d'élaborer un Kaizen pour le faire de manière le plus efficace possible. Et après ça, l'intelligence artificielle apprend ces données-là pour essayer d'améliorer ensuite la distribution du workload. Ah oui, c'est parfait. Et ce en français... Oh, mais c'était triste. Ben, la charge de travail. Et cette intelligence artificielle-là a augmenté l'efficacité de l'entrepôt de 8%. Et ce qui est terrifiant, justement, ce que tu disais, Sophie, c'est que là, cette intelligence artificielle-là, si elle vient à avoir l'augmentation géométrique de son intelligence, si elle peut elle-même s'améliorer, devenir plus intelligente, ben elle, sa première fonction, c'est l'efficacité. Donc, c'est pas le bonheur humain, c'est pas... c'est juste que ça soit le plus efficace possible. Donc, c'est ça le risque, c'est ben, ça tu sais, un robot, ça peut pas puer des pieds. Si, c'est bon. Est-ce qu'un robot peut puer des pieds? Ben... C'est sûrement impossible. S'il le veut, j'imagine qu'il peut s'organiser avoir un dispositif de mauvaise odeur. De bas de laine mouillée puis de vieilles bottes. C'est synthétisable, oui, c'est de la chimie. Voilà. S'il peut maîtriser ça. Donc, on pourrait tout remplacer par un robot, genre qui serait pas plate, supposons. Ben, ça va sûrement arriver, en fait.
Nécessairement. Et si des restes, ça va être animé par des robots dans 100 ans. Ouais, tu l'avais déjà dit, ça. Ouais, ouais, ben, ça s'en vient, là. Mais c'est que c'est, on pense, et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on pense, ah, c'est dans longtemps, parce qu'on pense que c'est continu, mais c'est exponentiel, l'amélioration, donc ça va être très, très bientôt, en fait. C'est peut-être ben, déjà en cours, là. Comme ouais. Peut-être l'un de nous est déjà un robot. En ce moment même, peut-être que Pistache Montréal est un robot. Mmh. Peut-être. Ça, ça explique quelque chose. Dit-il avec sourire. Le saurais-je. On l'a pogné, là. Le saurais-je. Okay. Bon, ben voilà. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Ben, merci, non, en tout cas, mais voilà. Merci à Eric. Bonne ah, chance, ben, hein? Hey, je suis vraiment désolé. Ok, parfait. Okay, merci, Mathieu. Il hey, faut juste que je salue Victor Charrette, ce petit doute qui m'avait demandé un autographe la semaine passée. J'ai dit, je parlerai de lui. C'est fait, mon gars. Ciao! Okay, merci, merci, Murphy. Merci, Étienne, pardon. Ah, oui. Merci, Sophie. Et merci, Annabelle. Ça fait plaisir. Comment t'as trouvé ça? C'est bien. Qu'est-ce que ça, cet après-midi? J'ai appris plein de choses. Cool. Ok, voilà. Fait que, ben, c'est ça. À décider, la semaine prochaine, une émission. J'ai beau prendre des douches, ça marche.